Bonjour, dans cette vidéo, nous allons résoudre l'équation trigonométrique suivante. Résoudre dans R l'équation 2 sinus au carré de x moins 3 sinus de x plus 1 est égal à 0. Si on pose x est égal à sinus de x, alors l'équation 2 sinus au carré de x moins 3 sinus de x plus 1 est égal à 0 s'écrit sous la forme 2x au carré moins 3x plus 1 est égal à 0, avec x est compris entre moins 1 et 1, tout simplement, car on a x est égal à sinus de x, et on sait très bien que la fonction sinus de x, elle est comprise entre moins 1 et 1. L'équation 2x au carré moins 3x plus 1 est égal à 0, c'est une équation dite second degré. Donc, nous savons alors comment résoudre une équation du second degré, ax au carré plus bx plus c est égal à 0, en utilisant le discriminant delta. On a delta est égal à b au carré moins 4ac. Donc, si on trouve que delta est strictement positif, on a deux solutions distinctes pour l'équation ax au carré plus bx plus c est égal à 0. Si delta est égal à 0, on a une solution double pour l'équation ax au carré plus bx plus c est égal à 0. Si delta est strictement inférieur à 0, l'équation ax au carré plus bx plus c est égal à 0 n'a pas de solution. Dans notre cas, on a a est égal à 2, b est égal à moins 3 et c est égal à 1. Donc, delta est égal à moins 3 au carré, moins 4 fois 2 fois 1. Donc, moins 3 au carré, c'est 9. 4 fois 2 fois 1, c'est 8. Donc, 9 moins 8 est égal à 1. Donc, delta est strictement positif. On a donc deux solutions pour notre équation. Alors, grand X1 est égal à 3 plus 1 sur 4. Est égal à 1, et grand X2 est égal à 3 moins 1 sur 4, est égal à 1/2. On trouve que grand X1 et grand X2, deux valeurs comprises entre moins 1 et 1, donc on continue à résoudre notre équation. Et si on a trouvé grand X1 et grand X2 ne sont pas des valeurs comprises entre moins 1 et 1, on dit tout simplement que notre équation 2x au carré moins 3x plus 1 est égal à 0 n'a pas de solution dans R. Donc, on continue la résolution de notre équation. On a grand X égal à sinus de x. On écrit grand X1 est égal à sinus de petit x1 est égal à 1. Et grand X2 est égal à sinus de petit x2 est égal à 1/2. Sur le cercle trigonométrique, on trouve sinus de la seule valeur principale de l'abscisse curviligne qui donne 1, c'est pi sur 2. Donc, sinus de x, sinus de petit x1 est égal à 1, implique que sinus de petit x1 est égal à sinus de pi sur 2, implique que petit x1 est égal à pi sur 2, plus k fois 2π, avec k est un entier relatif. Par contre, pour sinus de petit x2 est égal à 1/2, il y a deux abscisses curvilignes principales qui donnent sinus de petit x2 est égal à 1/2, sont π sur 6 et π moins π sur 6 qui est 5π sur 6. Donc, sinus de petit x2 est égal à 1/2 implique que sinus de petit x2 est égal à sinus de pi sur 6 ou sinus de petit x2 est égal à sinus de 5 pi sur 6. Donc petit x2 est égal à pi sur 6 plus k fois 2 pi ou petit x2 est égal à 5 pi sur 6 plus k fois 2 pi avec k est un entier relatif. Alors, l'ensemble de solutions de cette équation, eh bien, grand S est égal
à pi sur 2 plus k, le nombre de tours, fois 2pi. Pi sur 6 plus k, le nombre de tours, fois 2pi. Et 5pi sur 6 plus k, le nombre de tours, fois 2pi. Tel que k est un entier relatif. Notre vidéo touche à sa fin et à la prochaine vidéo pour d'autres exercices. Et au revoir.